On se retrouve avec le capitaine de Montagne Noire. Votre impression sur votre match que vous avez fait, vous et votre équipe? C'est dommage. Bon, première mi-temps, on avait fait le choix de jouer contre le vent. On savait que ça serait dur, mais on comptait sur la seconde mi-temps pour remonter. Donc en première mi-temps, bon, on prend deux essais, à un moment où on a un quart d'heure un peu de flottement, où on prend deux essais. Et bon, on tourne à la mi-temps où on est mené au score. Bon, après, la seconde mi-temps avec le vent, on revient bien. On fait le plus dur, d'après moi, puisqu'on revient à 20 partout. Et là, honnêtement, je pensais qu'on avait fait le plus dur. Mais derrière, c'est dommage. On manque un peu de lucidité. Un peu moins de La discipline. discipline, beaucoup d'indiscipline. On pète un peu les plombs. Et Oui, c'est du pas. coup, on craque, on prend 3 points. Alors, Derrière, on s'expose parce qu'on veut revenir dans le match. Et à 12, on prend un essai en contre. Et voilà, fin du match. on parlait de ces petites bagarres, c'est un peu bête, le petit plaquage à retardement qui a été fait sur ça. Après, ça, vous avez fait un bon match. Après, vous pensez quoi de votre saison, votre parcours vous avez fait cette saison? Mais cette saison, ça a été un peu compliqué, disons. On a eu des hauts, des bas. Mais bon, sur le terrain, on avait gagné le droit de figurer en phase finale du championnat Midi-Pyrénées. Oui. Malheureusement, on a été disqualifié par notre cher comité, parce qu'on n'avait pas assez de jeunes à l'école de rugby. Sachant que pour des petits villages comme nous, c'est dur Oui, d'avoir voilà, des jeunes. on sait très bien que Et donc les joueurs, on a été honnêtement dégoûtés, les joueurs, le staff. Parce qu'après le lundi avant les phases finales, quand vous disqualifiez, c'est toujours un peu compliqué. Après, on s'est réunis, on a décidé, la majorité des joueurs, de jouer ce challenge pour ne pas arrêter la saison au mois de mars. Disons qu'au début, on l'a fait un peu par dépit, puis les matchs se sont enchaînés, on a pris les matchs les uns après les autres, hein, puis on y a pris goût. Et bon, aujourd'hui, on voulait jouer cette finale à fond, la gagner, pour les mecs qui arrêtent, pour. Voilà, pour récompenser quand même cette saison. Bon, on est déçu d'avoir perdu, mais bon. On est tombé Après, sur une nouvelle équipe quand même du Haut-Salat. Hein. Bon, après, je pense qu'on perd le match tout seul quand même. le fait de ne pas avoir gagné, ça vous c'est pour vous c'est une bonne saison ou une Non, mais honnêtement, non. La saison, là, saison compliquée. Hein. voilà. Franchement, très déçu. Mais je vous dis, bon, encore aujourd'hui, bon, c'est sûr, une finale, on veut toujours la gagner. Hein. Aujourd'hui, on est déçu d'avoir perdu cette finale, mais bon, honnêtement, on a été surtout très déçu il y a un mois quand on a appris qu'on était disqualifié du championnat, quoi. Parce que nous, les joueurs, je pense que sur le terrain, quand même, on avait fait ce qu'il fallait pour se qualifier. On aurait aimé jouer ce championnat, quoi. Merci et bonne continuation pour la Ouais, saison je voudrais prochaine. juste rajouter un petit truc. Dédicace au club de l'OMLPL, là. Ils m'ont dit là qu'on est du plateau des Lacs. Que moi, c'est le club, je jouais encore avec eux la saison dernière. Hein. C'est mes amis, et je leur souhaite de tout cœur de gagner ce match. Tant mieux. Je vais voir Merci, ça. merci, au revoir. Merci.